je vais faire du kimbap, c'est le sushi coréen, mais c'est différent. C'est kimbap. Kim, l'algue sèche et pap, du riz cuit. Je vais vous montrer comment on fait du kimbap. En fait, il y a deux côtés. Le côté plus lisse, on met derrière. Et ici, je vais mettre tout ce qu'il faut. Déjà, je commence par du riz cuit. Il faut bien étaler. Si vous voulez faire du gros kimbap, vous pouvez mettre beaucoup de du riz, sinon moins de riz, c'est possible aussi. Il ne faut pas le pousser, il faut que le riz soit bien frais, alors il ne faut pas bien l'étaler, mais juste mettre délicatement en fait. On a préparé des œufs, comme l'omelette. Je vais le mettre assez, comme vous voulez. Si vous aimez des œufs, vous pouvez mettre beaucoup, sinon... Et ça, c'est du tamuji. Ça donne un goût un peu plus salé. Et ça, c'est du wong. Et ça sera un kimbap de kimchi. Je vais mettre du kimchi aussi. On l'a bien marmelé, on a mis de l'huile de sésame et aussi des sésames, vous voyez, et du sucre un peu. Et maintenant je vais le rouler. En fait, si vous avez quelque chose en bas, comme en bois, c'est possible, mais sans aussi, c'est possible. Roule, bien rouler. Et vous les laissez comme ça pour que ça colle. Vous les laissez comme ça et ça va coller tout seul. Comme le riz est très gluant. C'est tout. Ça y est, j'ai fini. J'ai fait tonne de kimbap en un quart d'heure. Et maintenant, je vais découper. Déjà, on va faire comme ça. C'est pas très très beau, mais bon. あ、味も、どれをどれを言ってたか。